Yes, donc salut à tous les amis, c'est le Guitar Trucker et donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pas forcément du gameplay ou quoi, mais une vidéo on va dire un peu spéciale hein, puisque rappelez-vous, parce qu'en fait dans cette vidéo je vais donc vous parler du Nintendo Labo, et oui, une nouvelle fois, parce que rappelez-vous, je vous avais testé donc en premier le kit, le multi-kit du Nintendo Labo, c'est avec la maison, la voiture, enfin l'espèce de voiture téléguidée, enfin des trucs comme ça. Il y avait le kit robot que je vous avais testé en vidéo, que vous avez d'ailleurs beaucoup apprécié, ainsi que le kit véhicule, donc vous savez, avec la voiture, enfin ainsi de suite, l'avion, tout ça quoi. Donc, et maintenant, depuis le 12 avril 2019, Nintendo ont annoncé, enfin ont sorti plutôt un nouveau pack. Donc ce nouveau pack, c'est tout simplement le Toy-Con 4 que vous voyez ici. Et ce n'est pas n'importe quel pack, puisqu'il s'agit d'un pack en VR, tout simplement. Oui, c'est... Voilà, Nintendo se sont lancés dedans, ça y est, maintenant c'est officiel. Alors évidemment, j'ai pas encore pris, enfin j'ai pas pris tout le pack avec tous ces objets-là que vous pouvez voir. Donc il y a un appareil photo, il y a... quoi d'autre encore? Il y a un oiseau, il y a... une espèce de truc, ça c'est le truc de l'éléphant, ça c'est le truc de la pédale avant, l'oiseau, l'appareil photo, et puis le canon, enfin l'espèce de pistolet. Moi, avec évidemment le casque vert que vous voyez juste ici. Voilà. Donc en gros, dans quelques instants, je vais vous montrer donc les constructions hein, que j'ai fait, enfin que j'ai fait grâce à ce logiciel hein, de Nintendo Labo, donc le kit VR. Donc, déjà, j'ai pu le tester moi-même, donc c'est plutôt cool. Malheureusement, je pourrais pas vous montrer les images via le dock de la Switch, puisque bon, si on met le, si on met le, enfin si je mets en tout cas la console dans son dock, forcément, le mode VR ne marchera pas. Donc, du coup, je vous montrerai juste l'écran comme ça pour que vous puissiez voir ce que je vois. Donc après, voilà. Donc, on va commencer tout de suite par la présentation du casque VR, hein, tout simplement, avec les lentilles en mode VR dedans. Donc, attention, le voici, le voilà. Donc, le fameux casque VR, hein, voilà. Donc, bon, évidemment, c'est toujours en mode carton, hein, évidemment, c'est le concept du Nintendo Labo. Donc, voilà, là, on peut retrouver le logo Nintendo Switch, hein, tout simplement. Donc, ça, bon, c'est un truc de sécurité, ils appellent ça une espèce de cache de sécurité ou je sais pas quoi. Donc, là, pareil, on se trouve donc le fameux Nintendo Labo, hein, voilà. Et derrière, vous avez juste ici des lentilles spéciales pour la VR, tout simplement. Et en fait, la console Switch vient tout simplement se glisser là-dedans, là dans le petit espace que vous voyez ici, juste là, là. Donc voilà. Là, on retrouve évidemment le logo Nintendo, hein, ça me paraît logique. Donc voilà, franchement, je trouve ça assez stylé que Nintendo on fait ce concept de casque VR en carton. Bon, après, ça reste un casque vert, hein, je veux dire, des casques verts, on peut, enfin, en carton comme ça, on peut s'en procurer même en magasin, donc c'est quand même cool. Mais bon, là, le fait que Nintendo ont lancé ce casque vert en carton, mais qu'on construit nous-mêmes, je trouve ça cool, enfin, grâce au logiciel, évidemment. Mais franchement, je trouve ça cool, parce que, le fait qu'on mette après la console à l'intérieur, juste ici, et puis qu'après, on regarde dans le casque comme ceci. On peut voir effectivement dans l'écran que l'écran se scinde en deux, enfin se partage en deux, et qu'on voit à travers ces lunettes, donc du casque vert, qu'on peut voir autour de nous tout ce qui se passe. Donc c'est vraiment fou quoi. Bon, après c'est sûr que le désavantage c'est que bon bah il n'y a pas de truc, enfin des espèces de sangles pour tenir la tête. C'est un petit peu le désavantage, mais c'est pas très grave. Mais bon, après on peut le tenir comme ça à la main et puis on regarde ce qui se passe autour de nous. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Donc ensuite, vient à cela, évidemment, il y a ce qu'ils appellent le canon. Donc voilà, hein, le canon donc du Nintendo Switch, enfin non, du Nintendo Labo kit vert. Donc le voici, le voilà, la grosse bête. Voilà, donc c'est un truc plutôt énorme, hein, voilà. Donc vous avez le chargeur juste ici, voilà, avec donc les élastiques de chaque côté, un ici et ici, voilà. Donc là on retrouve pareil hein, le logo Nintendo Labo, et là ici Nintendo Switch, voilà, et derrière Nintendo évidemment. Et donc en fin de compte, le casque vert vient tout simplement
se faufiler dedans, enfin se mettre dedans en fait. Donc en fait, on a juste à relever un peu ce truc-là, là, cette espèce de truc de protection ou je sais pas trop quoi. Et en fait, le casque VR vient se glisser là-dedans en fait, comme ceci. Tac, voilà. Là, on recouvre comme ça. Là, en fait, on doit mettre une manette ici et une manette dedans, donc de la Switch, hein, voilà. Et puis après, on regarde à l'intérieur, tout en jouant autour de, enfin, en regardant autour de nous ce qui se passe. Et puis en même temps, on joue à des mini-jeux tels que des jeux de tir, etc. Parce que bon, bah, il y a quand même une gâchette ici, hein, voilà, j'ai envie de dire. Donc là, en fait, on recharge. Là, en fait, on recharge comme ça. Et là, quand on appuie ici, ça fait, et bah, ça fait clic. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer déjà ma Nintendo Switch. Donc, enfin, vous voyez, c'est quand même bien fait, hein. Donc ça, le canon pour le truc vert, enfin pour le casque vert de Nintendo Labo, de la Nintendo Switch évidemment, ça m'a pris à peu près 3-4 heures à faire en construction. Voilà, c'est vraiment le maximum. Donc vous voyez, c'est quand même bien foutu, hein, voilà. Ça fait un truc comme ça. Hop. Donc voilà, c'est vraiment très très bien fait, hein. Donc voilà, c'est quand même un truc de fou, hein. Après bon, il y a des trucs qui se passent à l'intérieur, ça c'est plutôt cool à savoir. Mais en tout cas, quand on charge comme ça, tac, et là on appuie dessus sur le bouton, là, juste ici, et là ça fait clic. Voilà, tout simplement, c'est simple que ça, hein. Donc, je vais vous tester ça d'abord. Donc, on va retirer tout simplement les manettes. Donc là, j'ai déjà balancé, enfin, j'ai déjà lancé le jeu, hein, voilà, tout simplement. Donc, on va retirer les manettes. Voilà, et une et deux. Voilà. Donc, par exemple, je vais cliquer sur jouer ici. Hop. Alors, donc vous voyez, hein, vous avez plusieurs mini-jeux, hein, dans le, bah, dans ce logiciel du kit VR, tout simplement. Et donc, tout simplement, alors pour l'instant, moi j'ai accès juste à ce qu'ils appellent la place VR ou le jeu Invasion, parce que bah, pour le Toy-Con, parce que oui, ça s'appelle des Toy-Con, et encore une fois. Pour le Toy-Con, donc du canon, voilà. Et donc, moi, je vais vous montrer en premier ce qu'est la place VR. Donc, c'est-à-dire, là, je viens de cliquer sur la place VR, donc. Et donc, là, je vais insérer la console, en fait, dans ce petit trou-là. Enfin, dans ce petit espace-là. Et vous allez voir qu'à un moment donné, je vais tout simplement bah, pouvoir voir en VR. Donc, c'est parti, on insère la console. Comme ceci. Voilà. Et alors là, normalement, attendez, schlack. Je vais quand même mettre un petit peu plus de son. Voilà. Donc là, j'essaie de me calibrer. Ouais, par contre. Donc là, on est d'accord. Hop là. Donc là, c'est bon. On a bien les lunettes VR. Enfin, j'ai bien les lunettes en place pour le truc, enfin, le mode VR, quoi. Donc on tapote juste ici. Voilà, encore une fois. Non, là, c'est bon. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je peux choisir vraiment plusieurs mini-jeux, hein. Donc on a un mini-jeu qui s'appelle Saut Destructeur, un mini-jeu qui s'appelle Football Explosif, un autre qui s'appelle Toujours Plus Haut, OVNI de Transport, Pilotage d'OVNI, Kumba à 4 roues, enfin, c'est un mini-jeu avec une voiture, Balade en voiture, voilà, Danseur tout mou, Anima à gogo, Simulateur de gravité, Dans la cuisine, Bat et balle, Atteindre la cible, Boomerang. Panier de basket, et je crois que je peux accéder vraiment à plein de mini-jeux. Donc, avec ce mode vert, tout simplement. Hein. Ah, intéressant. Alors là, c'est quoi? Ah, c'est avec le fameux moulin. Ok, je vois c'est quoi le délire. Donc, à mon avis, les autres, ça doit être pour les autres kits. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ah, intéressant là aussi. Là, on a tir au canon. Là, on a carton au canon. Ici, on a énigme au canon. Et ici, on a escalade au canon. Escalade au canon. Oh, d'accord. Donc, ça c'est plutôt pas mal. Bon, là, ça, c'est pour les autres kits. D'accord. Donc, voilà. Donc, moi, en fait, je vais montrer ce que je vois dans la console, hein, tout simplement. Attention, hop, c'est parti. Donc, voilà ce que je vois moi. Donc, dans ce joli casque VR. Voilà, donc voilà, je vous ai dit, hein. Donc moi, ce que je vois, c'est ça. C'est, vous voyez, l'écran vraiment scindé en deux comme ça, en deux parties, pour voir un côté droit et un côté gauche. Et quand je mets le casque vert devant mes yeux, ça me fait voir, ça me fait montrer au final qu'une seule image. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc vous voyez, hein, hop.
Et donc, comme je vous ai dit, il y a vraiment possibilité de faire plusieurs mini-jeux. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et donc, quand on revient en mode normal, ça fait un truc comme ça. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment plusieurs mini-jeux pour le casque VR. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ensuite, là, c'est pour le fameux moulin ou je sais pas trop quoi, parce qu'il y a un espèce de moulin à construire apparemment aussi avec le kit VR. Ensuite, ici, c'est pour les mini-jeux avec le canon. Donc voilà, les quatre jeux qui se trouvent, enfin les quatre mini-jeux qui se trouvent ici. Et puis ensuite, le reste, c'est vraiment pour les autres kits, donc avec l'éléphant, l'appareil photo, l'oiseau et la pédale avant. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment cool. Donc, je vais me remettre en mode VR, comme ceci. Voilà. Je vais remettre la console dans le casque. Comme ceci. Donc déjà, je vais me recentrer l'image, voilà, comme ça. Donc vous voyez, hein. Hop. Ah, si je vous montre comme ça, bon, évidemment, vous verrez juste enfin, les lunettes VR, voilà, évidemment. Ouais, ça me fait montrer l'image comme ça, hein. Donc vraiment, c'est un 2-1-2, sauf que moi, je vois vraiment... Je vois qu'une seule image au final, bon, c'est un peu logique, mais bon. Donc par exemple, bienvenue dans le kit VR, machin. Bon, si par exemple je fais le mini-jeu, on va dire saut destructeur, je tapote ici, voilà, là ça m'a mis le jeu. Et donc là en fait je vois un petit personnage, tout simplement qui... voilà, un petit personnage sympathique. Donc voilà, alors évidemment j'ai oublié de remettre les Joy-Con dessus. Parce que oui, on peut mettre évidemment les Joy-Con sur la Switch pendant qu'on joue. Hop. Donc attendez. Non, continuer. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, je peux diriger mon personnage grâce aux manettes, enfin au joystick de la manette. Donc ça, c'est plutôt cool. Même avec l'autre, je crois. Voilà, avec les deux Joy-Con, enfin avec les deux joysticks de des manettes, je peux contrôler le petit personnage que je vois là avec le casque vert. Hop, et je peux tout simplement le faire déplacer, le faire sauter, etc. Donc là, je ne le vois plus, mon petit personnage, si c'est bon, il est là. Hop. Voilà, je le fais sauter, hein. Je le fais sauter en détruisant des cubes, hein. Voilà, simplement. J'essaierai de vous montrer, enfin, si j'arrive à choper des images au montage. Enfin, en même temps, je vois un petit... Enfin, mon personnage, en fait, c'est un espèce de personnage cubique, voilà, simplement. Donc, franchement, c'est assez sympa. Et quand je me déplace comme ceci, bah, en fait, je vois vraiment ce qui se passe autour de moi. Hein. C'est-à-dire que le personnage, je peux le faire déplacer à droite, à gauche. Là, je le vois en bas, par exemple. Et quand je le fais sauter, eh bah, je le vois sauter en l'air, etc. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà, c'est vraiment... J'adore le concept, hein. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Donc voilà, donc on va tout simplement quitter le mini-jeu. Donc on va faire comme ça, quitter, voilà. Donc ouais, c'est pas... Enfin, après bon, c'est pas... Attends, je vais quitter le jeu. Enfin, je vais quitter le truc. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Bon. Après évidemment, faut pas se mettre ça non plus sur le visage trop longtemps. Parce que bon, bah évidemment, ça peut avoir des conséquences. Enfin, ça peut vite vous fatiguer en fait. Genre si vous jouez pendant 1 heure ou 2, voilà, ça peut vraiment vite vous fa très vite vous fatiguer la tête ou enfin les yeux ou un truc comme ça. Voilà. Donc, on va ressortir l'écran. Je vous montrerai hein, ce qui se passe avec le canon, je veux dire, voilà. Je vais revenir en mode normal. Donc si je reviens dans mon mode là, place VR, je vais vous montrer ce que je voyais tout à l'heure en fait. Donc tout à l'heure j'avais pris le mini-jeu saut destructeur. Voilà. Donc moi en fait ce que je voyais c'était ça. Attends, ici. Et quand je le déplace comme ça, vous voyez, je peux voir vraiment ce qui se passe autour de moi avec le casque VR. Vous voyez, hop, à droite, à gauche, tac. Que ce soit en haut, en bas. Et alors normalement le petit personnage, je sais pas si je vous arriverai à le voir, mais il est vraiment vers le bas quoi. Enfin normalement, bon après je sais pas si vous arriverez à le voir. Ouais non, là de là comme ça, j'arriverai pas à vous le montrer. Attendez, ah oui parce que c'est normal. Ouais non, c'est normal. En fait, de mon côté, j'arrive à le voir, mais quand je le retourne comme ça, en fait, on voit plus l'image. Donc, c'est normal, en fait. Donc, vous voyez, hein, moi, en fait, c'est ça vraiment ce que je vois à l'intérieur de mon casque VR. Donc, voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Hop, voilà, c'est vraiment genre, je le passe à droite, à gauche, en haut, en bas, tac. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc, vraiment, c'est cool. Donc, ce mode VR, hein, tout simplement. Donc, maintenant, je vais vous tester avec ce fameux. Gros truc là, le canon, et puis après, bah, on s'arrêtera là tout simplement pour
pour cette vidéo. Donc on va prendre le jeu qui s'appelle Invasion. Donc là on va pouvoir utiliser ce gros truc là. Voilà, hein, le canon. Donc là pareil, on remet ceci comme ça. Attendez, non, avant de pouvoir... Ouais, non, vous savez quoi? Attendez. Déjà, je vais mettre ça comme ça. Voilà, je vais essayer de me calibrer. Alors déjà, là, j'essaye vraiment de bien me calibrer. Bon, ça a l'air d'aller à peu près, hein. Passer, non. Alors, attendez. Parce que là, mon mode vert ne marche plus, je sais pas. Bon, c'est normal, parce qu'en fait, il faut que je mette les... En fait, il faut que je mette vraiment les manettes dedans. Donc attendez, on va se mettre ça tout de suite. Je retire les petites caps que j'ai mis dessus, évidemment aussi. Donc il y en a une qu'on va mettre, je crois, voilà, juste ici sur le côté. Tac, comme ceci. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, voilà. Et l'autre qu'on va mettre juste devant. Voilà, hein, c'est aussi simple que ça, vous allez voir. Alors, là, on va retirer la petite caps. Voilà. Et la petite protection. Voilà. Et donc l'autre manette, on la fout juste devant, comme ceci. On fait glisser, hein, tout simplement. Hein. Tac, voilà. Donc là, normalement, ça c'est bon. Ensuite, on vient glisser, tout simplement, comme je vous ai montré tout à l'heure, on vient glisser donc le casque vert avec la Nintendo Switch dedans, comme ceci. Voilà, on rabat le truc comme ça. Donc là, je vais essayer de mettre un petit peu plus de son pour que vous puissiez un peu entendre quand même. Donc normalement ça devrait être bon. Alors, attendez que je regarde. Normalement c'est bon. Oui bah c'est bon mec. J'ai mis ton truc. Ça peut pas me valider, pourquoi? J'ai bien mis les manettes, j'ai mis le casque. Vous savez quoi, on va faire passer. Ouf, ah voilà, par contre, je suis très mal calibré là par contre. Alors pourquoi? Ouais, je suis vraiment très mal calibré au niveau de mon casque, je sais pas pourquoi. Attendez, parce que là c'est horrible. Ah ouais, non, là je peux pas, attendez. Pourquoi je suis autant mal calibré là? C'est à cause de ça quand même. Non, rien à voir, parce qu'hier j'arrivais très bien à voir. J'arrivais très bien à voir le truc. Donc c'est qu'attendez, il doit y avoir un problème. Alors. Ah mais voilà, parce que j'étais pas en mode vert, voilà pourquoi. Là, ça va être good. Tout simplement parce que j'étais pas en mode vert. Bah voilà. Ah, là, ça va être good. Ok, j'étais pas en mode vert, c'est pour ça. Ouais, j'étais en mode normal, donc du coup, ça m'étonne pas que ça marchait pas en fait. Ok. Donc là, ça va être, du coup, là, ça va être good. Et là, attention, on va pouvoir y aller. Donc, on va se faire la première mission. Donc, évidemment, je vous montrerai ce que je vois à la fin, évidemment. Merde, attendez, je me recentre. Pas trop quand même. Ouais, bon, à peu près comme ça, hein. Donc là j'ai la main sur la gâchette en même temps. Donc là on sélectionne. Clac. Hop, je suis bête, comme ça. Voilà. Et donc là on va pouvoir y aller. On recharge d'avance. Et on est parti. Donc là je tire sur des ennemis en fait. Aussi simple que ça. Hein. Il y en a devant moi. Il y en a un petit peu sur tous les côtés aussi. Bon toi tu crèves, voilà. Il y a tout devant moi. Bam. Là, normalement, il y en a peut-être à côté, je sais pas. Il y en a en haut aussi, je crois. Ouais, il y en a là-haut. Il y en a devant moi. Ah, il y en a là-haut aussi. Attendez. Voilà. Là, celui-là aussi, non. Là, il y en a un devant moi. Parfait. Là, est-ce qu'il y en a? Ouais. Il y en a là-haut. Si j'arrive à l'avoir. Parfait. Là, normalement, il y en a à côté, mais même pas. Ok. Ah, il y en avait devant moi, bon, pardon. Voilà, la première mission s'est réussie. Parce qu'il faut vraiment avoir assez d'espace pour, pour pouvoir jouer, quoi. Cette fois-ci, là, il y en a devant moi. Voilà, parfait. Hop, au revoir. Bam. Je mets vraiment mis le volet à fond pour que vous puissiez entendre aussi ce qui se passe. Voilà, bam, il y en a devant moi. Il y en a sur tous les côtés. Il y en a sur tous les bâtiments aussi. Il y en a là-haut, attention. Hop là, devant moi, là-haut. Sur les côtés, attention. Là-haut. Hop là, je l'ai eu. C'est bon. Deuxième mission réussie.
Vraiment c'est cool, hein, mais bon, je vous l'avoue, après c'est un peu, c'est assez fatigant à la fin. Donc là, il va falloir, la troisième mission, c'est qu'il va falloir buter pas mal d'ennemis en 1 minute. En 1 minute, je crois. C'est ça, éliminer tous les ennemis en 1 minute. Donc là, là c'est un régal par contre. On se croirait dans Splatoon, mais voilà, mais vraiment, voilà quoi. On se croirait vraiment dans Splatoon, c'est assez stylé. Franchement, là, j'adore. Là, c'est un régal par contre. Ça part là-haut. De l'autre côté, attention. Hop là. Il y en a là-haut. Allez, d'ailleurs, voilà, merci. Bam. C'est bon, il n'est pas derrière moi, non, c'est bon. Ah, là ici. Bam, c'est bon. On a fini. Donc on a fait un total de... Hey, 201 000 points. Quand même. Enfin, plus précisément, 201 531 points. Voilà, donc parfait. Donc là, ce qu'on va faire, on va quitter. Voilà. On va faire. Ah, donc moi, en gros, ce que je vois, enfin ce que je vois, c'est ça. Hein. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur, où je peux choisir donc les mini-jeux avec le Toy-Con du canon, hein, tout simplement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que bon, déjà, on va se concentrer parce que là, je voyais plus sinon. Donc maintenant on va se faire un mini-jeu, enfin je vais me faire plutôt un mini-jeu qui s'appelle Sus au crustacé cosmique. Donc c'est un espèce de boss à battre, tout simplement. Donc on va se faire ça, c'est parti. Et donc là je vais devoir buter un espèce de gros ennemis. Donc là au début bah, je vais tirer pour des ennemis, hein, comme d'hab. Là j'en ai là-haut, bam. J'en ai sur les côtés aussi, comme d'habitude. Au début je tire sur des ennemis, parfait. Pam, c'est mort, voilà. Pam en face. Pam là-haut. Parfait. Là en bas. En face. Sur le côté. Là en face. Ok. Bam. Ça c'est bon. Là-haut non? Ouais. Oh, je l'ai pas eu, bon, c'est pas grave. Là sur le côté. En face. Bam, t'es mort. Boum, t'es mort. Boum, t'es mort. Pam. Ah, je l'ai pas eu. Bon, ça c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai que tu peux viser des ennemis comme ça. Ça c'est bien ça. Boum. Voilà, comme ça lui il est mort. Donc là c'est pareil. J'en ai sur le côté, j'en ai en face. Hein. Hop là, sur le côté. Parfait. Oh, parfait. 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 Boum, parfait. C'est vraiment on a tous les visés mais c'est pas évident des fois. Hein. Hop. Boum, parfait. Boum. Parfait. C'est bon, on n'est pas d'autre. Ah c'est bon. Ok, je les ai eu. Donc ça c'est plutôt parfait. Hein. Donc vous allez me voir juste en train de tirer dans le vide, mais bon, voilà. Et donc là, le troisième niveau final, ça va être donc le boss, donc qui ressemble à un espèce de gros crabe géant, mais en mode robot, quoi. Voilà, donc là, il arrive. Et là, c'est parti, on va pouvoir le buter. Évidemment, je connais son point faible, ne vous inquiétez pas. Ça, voilà, déjà bien. Et les deux. Allez, bouge en même temps aussi. Ça, c'est pas logique. Hop là, et de 1, ça pince. Ah, il a arrêté, viens. Boum, toi, deuxième pince, c'est bon, c'est fait. Ah, j'arrive pas à voir sa jambe. Ok. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Maintenant ses jambes. Ses jambes à rien, je veux dire. Boum, ça c'est bon. Allez. Je crois que c'est après, c'est ses yeux, je crois. Ouais, après c'est son oeil, voilà. Bam. Et goûte-moi ça, mon gars. C'est bon, t'es mort. Voilà. Boum. Parfait.
Donc voilà, nous avons terminé le niveau. Ça, je me retrouve où, moi? Je me retrouve de l'autre côté. Ok. Donc on a fait 190 480 points, donc c'est plutôt parfait. Hein. C'est plutôt un beau score. Hein. Donc, vous voyez que là, j'ai quand même chaud. Hein. Je vous dis pas, là, j'ai chaud. Hein. Ouais, bon, ça, ok. Bon, enfin, je vais pas faire durer la vidéo trop longtemps, moi. C'est vraiment pour vous que j'ai testé ça. J'espère qu'en tout cas, ce test du Nintendo Labo Kit VR vous aura plu. Je me suis retrouvé carrément de l'autre côté, moi. Donc, j'espère que ce test, encore une fois, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, de liker, partager et commenter. Et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Et donc, moi, les gens, je vous dis donc ciao à la prochaine pour de prochaines vidéos à suivre, évidemment. Enfin, à venir sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao à la prochaine.